Dis donc, continuez. Mais continuez, ne vous arrêtez pas. Vous savez comment j'aime toujours vous regarder jouer. Le roi d'une telle générosité avec ses mots. Vous gâtez les servants de votre palais avec trop d'indulgence, mon roi. Que vaut donc la vie sans la joie des autres, ma reine? Est-ce que tu t'es une fois demandé pourquoi le royaume de Kotassi est béni de l'or, des diamants, du pétrole brut et toutes les autres ressources naturelles? Ce qui fait de lui l'un des plus riches au royaume du monde? Alors dis-moi, mon roi. Parce qu'au cours des années, les rois de Kotassi ont, avec beaucoup de bon cœur, suffisamment pris soin de leur peuple. Oui, déjà il y a cette malédiction qui trouve sa place au sein du ménage royal silencieusement. Ta beauté, ma chérie, brille comme 1 million d'étoiles qui projettent dans le ciel des nuages d'envie chaque fois que je fixe mes yeux sur toi. La raison pour laquelle mon cœur se bat plus vite que son rythme chaque fois que je suis en contact avec toi. Ça, c'est réservé pour les oreilles de ma sœur aînée. Tel genre de gloire doit se faire devant ma sœur aînée. C'est à elle que tu as donné ton cœur. Oublie ta sœur. Maïla se vautre dans le dénigrement de soi et les yeux de mon cœur sont fermés à elle. D'ailleurs, elle n'a pas les qualités requises pour me complimenter en tant que le futur roi du royaume de Zazoua. Quel courage de te tenir dans ce palais et tenir de propos contre la princesse de ce royaume. Je ne dis pas des faussetés, ma jolie princesse. D'ailleurs, les gemmes, disent-ils, sont mesurées en valeur. Et seuls les imbéciles se contentent du bronze quand il a le diamant devant eux. Mes salutations, ma princesse. Est-ce que tu viens de me dévisager? Non, princesse, pas du tout. Pourquoi tu restes planté là comme un imbécile? Tu t'es imaginé que je suis aveugle? Je ne peux pas faire une telle chose, ma princesse. Croyez-moi, s'il vous plaît. Tu as l'audace de me répondre avec ta bouche puante? Mais qu'est-ce que je fais? Conduisez-le au cachot à l'instant, je dis! Non, ma princesse, non, s'il vous plaît, épargnez-moi, s'il vous plaît, épargnez-moi. L'ange de notre terre, la lumière de la lune qui éclaire les étoiles de la nuit, la fierté de notre royaume, s'il vous plaît, montrez-nous votre bonté. Ne permettez pas à cet idiot de gâcher votre journée.
Je constate que nous n'avons pas que des débiles dans ce royaume. Tu es pardonné. Hein? Mais que ceci ne se répète plus jamais. Ma princesse, pas de problème. Je t'interdis. Ma sœur est très jalouse. Elle a la colère d'un tigre. Je serai pris dans la ruse de la lionne, bien complimentée par l'élégance d'une gazelle, que de m'inquiéter de la colère du tigre blessé. Je confesse, ton courage et ton arrogance sont des choses que j'admire. Confesse tout, Timoulia. Je sais que ton cœur m'appartient comme le mien t'appartient. Ton cœur doit aller dans la tombe de l'injustice si ça va te décevoir. La tradition Koutassi ne me permet pas d'avoir une relation avec un homme tant que ma sœur aînée n'est pas encore mariée. Avec la disposition hautaine de ta sœur, il ne semble pas qu'elle attirera bientôt son chevalier en armure brillante. Votre boisson est servie, ma princesse. D'où viens-tu? Je t'ai cherché partout dans le palais pour que tu me coiffes. Le prince du royaume des Azois est ici. Le prince Echo. Ici au palais? Oui, sa visite est discrète. Il est en train de flirter avec la princesse Tamoul à l'intérieur. C'est vrai? Il ne pouvait pas passer tous ses gardes quand même. Qui l'a laissé entrer? Je l'avais fait. Je l'avais fait entrer par l'entrée secrète du palais. Quoi? Tamara, tu sais bien que le prince des Azois est un paria dans le royaume de Koutassi. Laisse-moi parler. Comment pouvais-tu? Rita. Tu m'as vraiment embarrassée. Tu es venue me voir au lieu de venir voir ma sœur. Non, chérie, tu ne me comprends pas. Je n'ai pas le contrôle sur la direction de mon cœur. C'est toi que j'aime. Bien, je n'ai pas le contrôle de modifier la tradition. Aimer pour moi sera une condamnation que je ne pourrai jamais m'en passer. Mon père t'avait interdit de venir dans ses palais. Tu te rappelles? Aussi longtemps que je me souviens de ce que ton père a dit, ta beauté charme non seulement mon cœur, mais aussi ma patience de risquer n'importe quelle conséquence, aussi longtemps que j'ai l'assurance que ton cœur m'appartient. Je vais endurer avec toi, mon amour. Bien, je ne vais pas t'attendre. Allez, va-t'en. T'es mon lien. Le docteur. Je meurs.
Ok, vite. Ok. Attaque-moi. Écoute, passez par la petite porte et rassure-toi que personne ne vous voit. J'avais prédit ce jour, je l'aurais maudit. Moi, Malia, princesse du royaume de Kounas, rabaissée pour servir des servantes de basse condition. Comme tu charmes souvent l'indignité sur toi-même avec ce genre d'accoutrement. Toute l'honneur n'est plus des servantes dans le royaume de Koudassi. Et ça, c'est juste pour un temps convenable. La visite du prince Ebou doit rester un secret que vous garderez jusque dans votre tombe. Personne ne doit savoir, même pas le roi, que le prince Ebou avait mis ses pieds aujourd'hui dans ce palais. C'est clair? Oui, sa majesté. Votre majesté. Très bien. Votre silence vous récompense d'une liberté et d'un salaire généreux. Allez, prenez. Disparaissez et ne revenez plus jamais. Ferme-la! Vous n'avez que 15 minutes pour partir de ce palais. Allez, dépêchez-vous. Disparaissez! Thank you.
Bienvenue. Bienvenue, votre majesté. Ma reine. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air nerveuse, ma reine. L'anxiété après ton voyage m'a apporté beaucoup d'angoisse. Mais sinon, ça va. Bien. Mes princesses ne voulaient pas venir accueillir leur père revenant d'un très long voyage. Comme j'ai l'habitude de bénéficier souvent d'un accueil chaleureux de ma famille. Ta reine est là et t'accueille au nom de toute la famille. Merci, ma reine. Dis-moi, ça a été? Hein? On croisera les doigts. J'ai fait de mon mieux.
Mon très cher ami Mufasa, je sais que le royaume des Azwa a une richesse qu'on ne peut pas comparer avec le royaume de Kutasi. Mais je pense que les petits cadeaux que nous avons apportés ici sera considéré comme un pas vers l'amitié par rapport à ce que nous sommes venus demander. Le royaume de Kutasi valorise l'amitié bien au-delà de la richesse. Mon cher ami, une fois encore, vous êtes les bienvenus. Merci, merci. Tu connais déjà la raison de notre présence. Nous sommes venus officiellement faire savoir nos intentions. Et où se trouve notre bijou inestimable? Oh, patience. Patience. Mon futur beau. Votre précieux bijou sera bientôt ici. Ok, comme c'était prévu, non? Les dieux savent que je l'étranglerai avec ma main si elle apporte la honte dans ce royaume. Aujourd'hui, plus que jamais, ordonne pour qu'on aille la chercher tout de suite. C'était déjà fait, mon roi. Donc, elle sera bientôt là. Elle sera bientôt okay. Là. Bientôt. Mon prince, votre chambre est déjà apprêtée. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Ma reine, ma famille se sent insultée par ce traitement indigne.
de la part d'une princesse qui est censée devenir la reine du royaume de Zazu. Crois-moi, mon prince. Ça, ce n'est pas dans les habitudes de ma fille. Ça me fait terriblement honte, cet embarrassement, ma reine. Ces sentiments d'embarrassement est réciproque, mon prince. S'il te plaît, dis à tes parents d'être un peu patient. Tu vas certainement te rencontrer avec ta princesse le matin. La journée a été tellement longue. Je suggère que vous puissiez vous retirer un peu et vous reposer convenablement. Je préfère plutôt profiter de l'abri du soir. Je vais me promener un peu. Ok, bien. Je vais instruire à l'un de mes gardes de vous accompagner. Non. J'ai appris de l'environnement paisible et sécurisé de Kutasi. Je n'ai pas de doute que je me porterai. Dis-moi ce que tu vois quand tu me regardes. Je vois une femme charmante et sûre d'elle-même. Est-ce que c'est tout? En addition, tu possèdes l'aura pour complimenter le roi fort. Tu n'es pas aussi beau à ce à quoi je m'attendais. Bien, toutes mes excuses si mes regards ne répondent pas à tes attentes. Mais malheureusement, je ne possède pas la baguette magique pour me remodeler, princesse Myla. Tu m'insultes avec un tel sarcasme? Tu m'excites avec un tel sens de l'humour. Ne sois pas condescendant avec moi, prince Eko. Je pensais que tu étais là pour me faire la cour. Tu fais de te courtiser un très gros défi. C'est que tu n'en vaux pas la peine. Je déteste cette faiblesse chez les hommes. Vous êtes inférieur à moi. Tu m'insultes? Tu oses m'insulter? Je suis le prince, souviens-toi. L'héritier apparent du grand trône de Zazua. Toi de cette misérable, pauvre terre dévastée, fragile de Zazua, tu veux me parler de ta grandeur? Que je te rafraîchisse la mémoire. Tu te tiens devant Myla, la princesse royale du grand royaume Kutasi, le plus riche et le plus puissant royaume des quatre coins de cette région. Tu pourrais être l'un de mes servants si je le voulais. Tu sais, tu es en train de m'irriter avec une telle arrogance. Ton attitude aujourd'hui était vraiment inconcevable. Tu n'as pas seulement embrassé moi et ton père, mais tu as embrassé tout le royaume de Kutasi. Si le prince de Zazua était un vrai homme, il aurait probablement su comment faire la cour à une vraie dame. Au lieu de débarquer ici avec sa famille entière et me sommer comme si j'étais un esclave qu'il fallait ramener à la maison. Si tu n'étais pas ma fille ni la princesse, je te remets hors de ma tête. Exactement, mère. Je suis une princesse qui mérite du respect et même venant du prince de Zazua. Il n'y a pas lieu de courtiser de manière spéciale pour des fiançailles royales. À ce que je sache, le prince t'a accordé autant de respect qui te convient en tant que princesse. Ne le vois-tu pas? Mais tu veux faire passer à côté ta chance avec ces comportements d'imbu d'une princesse. Je ne lui avais pas donné mon consentement, mère. Donc il n'avait pas le droit de venir pour exercer un quelconque droit sur ma tête. Aucun homme ne peut m'avoir aussi facilement qu'il soit un prince ou pas. Ton ego et ton arrogance s'avèrent être ton talent d'Achille. Jusqu'où tu laisseras ta stupidité te contrôler et te décevoir? Maman, détrompe-toi. Ma fierté n'a rien à voir avec le fait d'avoir perdu tous ces autres prétendants. Va plutôt demander à ta volage de fille. Le prince Eko, c'est un prince parfait pour n'importe quelle princesse. Mère, dis-moi,
Regarde-moi très bien. Qu'est-ce que toi tu vois quand tu me regardes? Est-ce que Temulia est d'une quelconque manière plus belle que moi? Pourquoi est-ce que c'est elle qui retient toute l'attention alors que c'est moi qui viens en premier? Tu es également élégante et d'une beauté de gazelle. Avec Dieu doux, intercellant et qui dégage beaucoup de charme. Et c'est pourquoi le prince meurt d'envie de toi. Je ne peux plus jamais me laisser avoir, mère. Ce que je veux, c'est de le voir réellement ramper pour moi. C'est ça qui fait qu'une femme se sente désirée et c'est ça que je veux que le prince Azwa fasse pour moi. Salut ma princesse, votre majesté m'a demandé de vous servir. C'est comme une prisonnière. Une prisonnière qui est toujours enfermée, même quand lorsque sa sœur aînée veut se marier. C'est ça? Vous n'êtes pas une esclave, ma princesse. Votre fierté et votre beauté sont énormes et vous ne pouvez pas le regretter. Vous devez manger, ma princesse. Depuis hier, vous n'avez rien mangé. Dis-moi, Simira, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'être esclave d'une autre personne? C'est normal? Vous n'êtes pas esclave, ma princesse. Votre beauté et votre fierté ne sont que vos qualités. Ne le regrettez pas. Ne vous inquiétez pas. Lorsque le prince du royaume des Azois va épouser votre sœur aînée, vous serez réellement libre. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu sais? Ma princesse, vous devez manger. Vous connaissez très bien votre condition. Je vous en prends ta nourriture et pars avec. Essayez de manger juste. Laisse-moi tranquille! Sors! Ok. Dis-moi, jusqu'où tu veux vraiment nous humilier? En présence de ton soi-disant choix. Princesse Maïla, c'est ça son nom. Je suis très sûr qu'elle fera une bonne reine. Je l'avais rencontrée et il n'y a pas une autre qualification à lui donner. Elle est juste une fille très arrogante. C'est juste pour son insolence que ma sœur a refusé de venir avec nous. Si ce n'était pas au nom de la courtoisie, je l'aurais déjà remis à sa place. Tu tiens beaucoup plus compte de l'apparence, ma chère fille. Une princesse qui déshonore ses invités royales ne peut pas être une bonne femme. Je ne commettrai pas une telle bêtise, car je trouverai une bonne reine pour mon royaume. On ferait mieux de fixer nos yeux sur le prix. Ça ne me surprend pas. Tu lécheras des crachats purs, juste à cause de toutes ces considérations que vous avez d'elle. Oh! Le roi doit faire ce que nécessairement un roi doit faire pour une bonne expansion de son royaume. Comme toujours, je ne vais pas être insulté dans cette communauté. Si, entendu, papa. Assez de ces insultes. Assez! Écoutez, c'est moi qui donne les ordres ici. Et vous tous, vous devez me suivre. Point final. Le prince, tu es tellement silencieux. Est-ce que ça va? Ma tête est très obscurcie maintenant, mère. Il me faut un peu de repos. Nous devons rentrer au royaume des Azwa, roi Mufasa. Je peux comprendre votre déception, mon cher ami. Mais je vous implore de rester un peu plus longtemps.
Peut-être que tu n'as pas voulu donner la main de ta fille au prince des Azois, à ce que je suis en train de voir. Non, vous touchez à ma réputation avec une telle insinuation. Ah ah, le roi Kuyama, je pensais que vous me connaissez très bien à ce sujet. En tout cas, je ne sais plus ce que je sais et ce que je ne sais pas. Je vous salue, vos majestés. Princesse Myla, tu es splendide. Merci, votre majesté. S'il vous plaît, acceptez mes humbles excuses pour mon insolence. J'aurais dû venir vous accueillir hier, mais à cause d'une petite fièvre, j'étais gênée de me présenter à vous dans cet état piteux. Je suis désolée. Ok, bien. Te voir en forme me fait énormément du bien. Viens, mets-toi ici. J'espère que tu as bien dormi, mon prince. Je suis sûr que tu connais la réponse à cette question. Tiens donc, prince. La princesse vient de s'excuser. Père, je ne suis pas sûr que ces excuses soient sincères. C'est qui? C'est Simira, ma princesse. Entre. Bonjour, ma princesse. Ma princesse s'apprête pour sortir? Oui, bien sûr. Cette solitude me fatigue. Je dois me détendre un peu. Ma princesse veut sortir en désobéissant aux ordres de ses parents? Non, t'inquiète, je vais faire attention. Ils ne sauront pas que j'ai quitté le palais, ok? Bien, je crois qu'aujourd'hui vous allez manger un tout petit peu parce que depuis hier vous n'avez rien mangé. Je n'ai pas faim. Ma princesse! Est-ce que ça va? Et sa famille, le même garçon qui nous fournit du vin de parmi de ce royaume. Oh mon Dieu, t'es vraiment en train de détruire la réputation de la princesse, n'est-ce pas? Père, c'est ça la réputation que tu veux pour ton fils?
Je ne vais pas déshonorer le trône de Zazwa en présentant une future reine qui s'est transformée en un joueur public. Pensez à sa père. Je suis d'accord. Cela renverse toute la situation. Mais on ne doit pas sonner l'alarme dans le royaume des Koutas. D'accord, père. On doit quitter comme on a déjà informé le roi. Hein? Qu'ils résolvent leurs problèmes eux-mêmes. Ok? Merci, père. Où est Miranda? Elle arrive. Ok. Mais quelle surprise, mon cher ami. Je croyais qu'on a tout réglé après avoir rencontré la princesse. Notre départ n'a rien à voir avec la princesse, je t'assure. Sans doute, votre hospitalité d'hier a été merveilleuse. Et alors, pourquoi cette précipitation? Nous nous étions déjà arrangés de rentrer, mon cher ami. En tout cas, ne te dérange pas, je vais te contacter aussitôt que la date du mariage est fixée. Il n'y a aucun problème, je t'assure, tout va bien. Oh, ok, je vous en prie. Tout va bien, oui, tout va bien. Mon prince, puis-je, s'il te plaît, discuter avec toi à l'écart? Je m'excuse. D'abord, merci pour ne pas m'avoir accusé auprès de mes parents sur mon agissement d'hier. Ce qui s'est passé hier ne me concerne à rien. S'il te plaît, ne t'en va pas. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Honnêtement, je suis perdue. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée. Tu n'as pas besoin d'être désolée, princesse. Souviens-toi que tu m'as dit que j'étais inférieur à toi. Et tu me l'as aussi bel et bien prouvé. Je t'aime, mon prince. La virginité de la future reine du royaume de Zazwa doit être déflorée par le prince marié. Je doute fort que tu sois qualifié. C'est qui ça? Mon prince? S'il te plaît, attends! S'il te plaît, laisse-moi partir! Je t'en prie, laisse-moi! Qui es-tu exactement? Laisse-moi partir! S'il te plaît, laisse-moi partir! Je t'en prie! Je ne suis rien dès que tu me vois là! Je suis une simple servante, je t'en prie. Il n'est pas possible que tu sois une femme ordinaire et tu as l'air si majestueuse. Tu es si adorable. Tu es la femme la plus belle que j'ai jamais vue. Laisse-moi partir, s'il te plaît, je t'en prie. Laisse-moi partir. Ma princesse. Je ne suis pas votre princesse. Mais ça veut dire quoi? Non! Maïla! Quelle bêtise! Oh! La malédiction que la folie a fait pleuvoir sur toi n'est pas encore séchée. Comment oses-tu insulter les invités royaux? Père de grâce! De grâce! Réserve ton cerveau pour cette scène trop bien égarée qu'on appelle ma sœur! Maïla! Où est-ce qu'elle se trouve? Hein?
ton nom. Tu me cherches de problèmes. Laisse-moi partir, je dois aller. Voici Echo. Qu'est-ce qui ne va pas? Votre Majesté, je ne savais pas que vous avez une fille si belle et adorable. J'espère que ça ne vous énervera pas si je change d'avis. Je préférerais plutôt faire de cette belle princesse la future reine du royaume de Zazu. Je crois que tu es vraiment stupide. Comment je suis arrivé à confondre ta vie de cochon à une vie de royauté? Ta sale puanteur fera sentir un cochon comme une rose. Tu as mis tes sales pieds dans mon royaume pour créer des problèmes, pour créer de l'inimitié entre mes deux filles. S'il te plaît, calme-toi, mon ami. Hein? Nous ne sommes plus des amis. Notre amitié a privé au moment même où votre misérable fils ouvre sa puante gueule pour polluer l'air frais du royaume de Koutassi. J'en ai marre de cette insolence. S'il y a quelqu'un qui a un désir intense comme un porc, c'est ta fille. Désolé, tes filles. Et tu dois avoir honte de te vanter sur toutes les choses. Mais tu n'es pas à mesure de rendre tes filles des princesses valables. Maintenant, sortez de mon royaume. Sortez de ce royaume tout de suite. Et j'interdis qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne mettrez plus jamais vos pieds dans ce royaume. Maintenant, sortez de ce royaume. Viens, sortez. On y va. Garde. Maintenant, donne-moi la raison pour laquelle je ne devrais pas t'égorger et laisser une fontaine de sang couler de tes veines. Dis-moi. Vas-y, papa. Vas-y. Peut-être que ça pourra me donner la paix. Et je vais me reposer en paix pour toujours. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi dois-tu toujours me déshonorer ainsi? Emulia, pourquoi? Je pensais qu'avec de l'âge, tu serais plus responsable que ta sœur. Mais tu deviens pire qu'elle. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas contrôler ton désir pour les hommes? Qu'est-ce qu'il y a? Hey, petit cœur, tu nettoies encore, je t'ai apporté ta nourriture. Tu veux que je dépose par ici, hein? Depuis quand tu commences pas à me servir à manger? Mon amour, désormais, je vais personnellement te servir ton repas. Ah, mon chat, laisse-moi t'aider avec la nourriture. Arrête! Je ne veux pas que quelqu'un t'entende m'appeler comme ça dans le palais, ok? Je ne suis pas intéressé, laisse-moi tranquille. Arrête de perdre ton temps. C'est mon temps, mon amour, et ça ne me dérange pas de le perdre avec toi. S'il te plaît, laisse-moi nettoyer ta place. Arrête, laisse-moi tranquille, s'il te plaît, laisse-moi faire, laisse-moi t'aider, je t'en prie, allez. D'accord. S'il te plaît. Fais ce que tu veux. Pas de problème. Mon amour, et ton repas? Je ne suis pas intéressé. S'il te plaît, excuse-moi, papa. Je n'avais pas l'intention de briser la relation de Maïla et le prince. Tu as désobéi à ta mère et moi, Demolia. L'ennui et la solitude ont commencé à m'asphyxier, père. Il fallait que je sorte un peu pour respirer l'air frais de la soirée. Assieds-toi. Lève-toi et assieds-toi. Lève-toi et assieds-toi. Ce n'était pas entièrement de ta faute. Je sais. Mais pourquoi les hommes continuent-ils à s'intéresser à toi plus qu'à ta grande sœur? C'est ce que je ne comprends pas. Je crois vraiment que je dois me déplacer. Je dois aller loin, là où je ne pourrai même plus revoir ma sœur aînée. Tu sais pourquoi tu ne peux pas
quitter ce palais pour le moment, ma fille. Je sais, papa. Pour toi, ton mariage est lié à la loi de la première, à se marier qui est ta sœur. Et tu le sais? Quelquefois, j'ai envie de briser cette tradition qui me fait vivre comme une esclave dans mon propre royaume. Allez, viens. Viens ici. Ton cœur poussera encore tes ailes comme un oiseau pour caresser le vent et voler une fois que la main de ta grande sœur est donnée en mariage. Elle a besoin de beaucoup de prières parce que sa situation est plus compliquée qu'elle ne le croit. Donc, ne t'inquiète pas, ma chère. Tout ira bien. Enlève ça. Enlève ça. Enlève-moi ce collier. Oui, à ta quoi? Parle. Déplace-toi. Dis-moi, pourquoi est-ce que ton silence ne peut pas être puni? Je subis une grande injustice auprès de ma reine. Régler les bonnes, ta mère est sauvée, avec beaucoup de richesses et liberté. Mais moi, je suis abandonné ici, pour languir dans la servitude. Je n'ai pas le pouvoir de te rendre libre. Tu es l'esclave personnel du roi. Tu n'as même pas été élevé pour avoir un statut de gardien qui peut travailler dans un palais royal. Il poussera des arguments que je ne saurais même pas défendre. Je sais, Sa Majesté. Je suis une dette payée à Sa Majesté le roi par mon défunt père pour son crime impardonnable contre le royaume de Koutas. Tu vois, tu ne peux pas quitter le royaume de Koutas. Cela me laisse doublement tricher, ma reine. Tu n'as pas le droit de te plaindre de la façon dont on te traite dans ces palais. Quelqu'un t'a déjà traité comme une esclave dans ces palais? Dis-moi. Non, Sa Majesté, mais... Allez, quitte ici. Sa Majesté. Pars d'ici. Mon roi, s'il vous plaît, ne laissez pas cet incident vous ruiner. Ne vous laissez pas démoraliser, s'il vous plaît. Mon cœur n'arrive pas à supporter le poids de tout ce qui se passe. Dimina. Le chef prêtre vient de quitter ici. Le prêtre? Il est venu ici faire quoi? La princesse
aura 30 ans dans 2 mois. Et si elle ne trouve pas un mari avant cette date, la malédiction ancestrale sera jetée sur elle. Quelle malédiction ancestrale? Il y a cet effet traditionnel que nous te cachons, ma reine. Qui aurait jamais pensé que cela pourrait arriver à ça? Quel fait? Qu'est-ce qui ne va pas, mon roi? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ta première fille n'était pas si concise alors que Temulia a été si concise? Le prêtre a dit que le dieu interdit à la première fille du roi d'être excisée. Pour un but. Quel dessein? Parle-nous, mon roi, je ne fais pas de ces suspenses. C'est une ancienne tradition de Kutasi. Seul le mari légitime peut circoncire la fille aînée du roi la nuit où elle prouve sa virginité. Seul son sang, son sang pur peut apaiser la soif de nos ancêtres. Ma fille est vierge et j'en ai tellement sûr. Tu ne comprends pas ceci, ma reine. Si ce sacrifice de sang n'est pas fait avant qu'elle rentre dans ses 30 ans, elle deviendra un sacrifice pour les ancêtres. Et aucune fille du roi ne se mariera jamais. C'est quelle tradition stupide comme ça? C'est quoi ces bêtises? Chérie, je suis désolé, ok? Autant pour moi. Écoute, tu dois me laisser tranquille. Bébé, je te laisserai pas tranquille. Juste écoute-moi, je t'en prie. Il n'y a pas question de pardon. Je t'avais aimé de tout mon cœur. Et en retour, toi, tu ne l'as pas du tout fait. Bébé, je suis désolé, d'accord? Tu sais à quel point la princesse Maëla est difficile. Tu comprends? Elle m'a forcé à avoir l'affaire avec elle. Écoute, que veux-tu que je fasse? La reporter? Et alors à propos d'Abinso, tu devais voir comment elle m'avait humilié et brutalisé devant les gens, juste à cause de toi. Chérie, je suis désolé, d'accord? Abinso, tu sais qu'elle n'est pas ma classe. Je ne peux rien avoir avec Abinso. Je ne peux jamais sortir avec elle. D'accord? Et pourquoi au juste cette réunion secrète? N'avez-vous pas chacun des choses plus importantes à faire à vos postes? Désolée, ma princesse. Pourquoi tu restes encore plantée là? Reviens par ici. Ma princesse. De quoi discutais-tu avec cette fille de basse condition? J'espère que tu ne lui as rien dit sur ce que nous faisons en secret. Non, ma princesse. C'est qu'alors tu dois avoir une liaison avec elle. Ma princesse. Silence. Maintenant, tu vas m'écouter. Je ne vais pas tolérer partager mon corps avec un pauvre type qui se... mélange avec tes servantes, est-ce bien clair? Ma princesse. Mon corps aura besoin de toi cette nuit, mais on ne pourra pas se rencontrer dans ma chambre. Comme tu peux bien le voir, va falloir trouver un autre endroit. Pour toi. Ma princesse, je ne peux plus recevoir des cadeaux de toi. Je ne me rappelle pas t'avoir dit si tu pouvais. Allez, prends-le. Et rappelle-toi qui t'a aidé dans la vie, espèce d'ingrat.
Je vous salue, ma reine. Comment oses-tu mettre tes pieds dans le royaume de Kutasi, alors que mon roi n'a interdit à votre famille? Je ne vous manque pas de respect, votre majesté. À ce que je sache, cet incident n'a été causé que par mon père et le prince. Qu'est-ce que tu veux? Je cherche mon frère. Je ne te comprends pas. Votre majesté, le prince des oiseaux est perdu. Et qu'est-ce que cela a à faire avec le royaume de Kutasi? Je vous salue, votre majesté. Je n'ai pas connaissance d'une trêve entre votre père et moi pour garantir ta visite. Veuillez pardonner mon audacité, votre majesté. Je suis venu juste vérifier si mon frère, le prince de Zoazoa, est ici. Comme un prisonnier, je suppose. Votre majesté, il est ici? Ton frère a montré combien il est fou. Mais je doute que sa folie puisse le conduire ou le pousser à revenir encore ici. Je ne suis pas du genre à punir les enfants à cause des erreurs de leurs parents. Donc, je pardonne ta stupide intrusion et quitte immédiatement. Dégage! Je crois que tu avais déposé le prince Eku dans le royaume des Azu comme je t'avais instruit. Je suis désolé, Sa Majesté. Il a abandonné les fantômes avant que nous puissions arriver à Zazua. Toi? Et tu t'es même pas donné la peine de m'informer? Selon ma compréhension, cette affaire ne valait plus la peine pour qu'on en discute, ma reine. Et son corps? Enterré. Je pensais que c'est ce que vous auriez voulu que je fasse. C'est dommage. Mais au moins tu aurais dû déposer son corps dans le royaume des Azois comme je t'en avais instruit. Je suis désolé, Sa Majesté. Désolé? Tu me dis que tu es désolé? Connais-tu l'implication de ce que tu as fait? Je n'ai pas tué le prince Eku, ma reine. Juste prie que cela n'éclate pas sur nos visages. Si seulement vous saviez ce qui est sur le point de claquer sur votre visage, ma reine. Qu'est-ce que je t'entends dire? Ça, c'est une sorte de chantage? Je ne parle que de l'injustice, ma reine. Allez, disparais. Disparaît. Tant pis. Je suis contente que tu ailles bien maintenant. Merci, mais je ne suis pas venue te voir. Toutes mes excuses. Et qui es-tu venue chercher alors? La princesse. Maïla? Je pense que c'est ça son nom. Ma belle princesse. Tu dis être venue voir qui? Espèce de créature ratée des dieux. Mon amour, je suis content que tu sois là. J'ai traversé beaucoup de choses avant de te rencontrer. Ma princesse, tu es si belle. Garde! Qui a laissé cette chose pénétrer dans le palais? Qui? Honnêtement, ma princesse, je n'ai aucune idée. Regarde, ma princesse, je suis un prince. J'ai mon propre royaume. Je suis venu t'épouser. Je suis un prince. Gifle-le. Gifle-le. Je suis un prince. Tu ne peux pas traiter les gens comme ça. Ce sont des êtres comme toi aussi. Si tu ouvres encore ta sale bouche pour me répondre, je vais te prouver que tu es moins qu'un être humain. Comment oses-tu? Je suis un prince. Poké, sors-moi d'ici. Poké, laisse-le partir. Je suis venu épouser la princesse. Je suis un prince. Mère. Quoi? C'est mieux que tu viennes voir ça de toi-même.
Viens. Bokeh. Qu'est-ce qui se passe ici? C'était Moulia. Elle a fait venir cet imbécile dans ce palais pour me demander ma main en mariage. Quoi? Maman, je n'ai pas fait ce qu'elle te raconte. Tu as la maudite d'enfant. Pourquoi avais-tu toujours insulté ta sœur avec qui vous portez le même sang? J'étais avertie. C'est clair que tu n'as pas compris mon avertissement quand je t'avais dit que si tu continues, je vais réduire ta vie comme celle d'une esclave. Maïla. Oui, mère. C'est ta petite sœur. Alors fais tout ce qui te semble bon pour la corriger. Allez, viens ici. Laisse-moi, laisse-moi tranquille, laisse-moi. Viens ici, ferme ta bouche. Laisse-moi. Ok, apporte-moi un fouet. D'accord. Laisse-moi. Allez, attachez-la. Fouettez-la. Imbécile. Amène-le ici. Les porcs sont faits pour croupir ensemble. Je parie que tu te sens comme chez toi. Fouette-la. Plus fort. Ma princesse, j'ai cherché partout. Je n'ai pas trouvé l'imbécile. Tu es un idiot. Tu n'es même pas capable de remplir une simple tâche. Ma princesse, j'ai fouillé le royaume tout entier. Je l'ai cherché un peu partout, je ne l'ai pas trouvé. Tu es vraiment stupide. Tu sais quoi? Hein? Rejoins-la. Oui? Pour m'avoir refusé le plaisir de les voir ensemble, rejoins-la. Allonge-toi. Vous cherchez la guerre en envahissant mon territoire avec votre présence, Kuyama. Le roi Kuyama. Il n'y a qu'un seul roi dans le royaume de Kutasi. Je ne te considère pas encore comme mon ennemi, mais tu t'approches petit à petit à ce statut. Père, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vous prie. Le grand roi de Kutasi, Zazwa ne peut jamais déshonorer votre royaume. Avec beaucoup de compassion, faveur et aide que nous attendons et ne se trouvons que chez vous. Zazwa a perdu toute prétention à la faveur de ce royaume le jour où votre prince, ton frère, a perdu sa royauté dans ce palais. Est-ce que c'est ça la cause de sa disparition? Quoi? Mon père m'a dit que vous êtes mieux placé à nous aider à avoir des informations concernant notre frère. Ta sœur a déjà été informée que le prince, ton frère, n'est pas dans ce royaume. C'est vrai, Sa Majesté. Ma sœur était ici. Mais cette information qu'elle nous a amenée ne nous a pas laissé en paix. Que de venir ici et demander au roi de nous aider à trouver des informations convenables. S'il vous plaît, mon roi, je vous en prie. La princesse Maïla va tuer sa sœur. Je t'accorde le respect que ta maturité mérite. Maintenant, ensemble, ton père et ta mère, sortez de mon palais et sortez de ce royaume. Assure-toi qu'ils sont hors de ce palais. Tu auras de mes nouvelles. Tu auras de mes nouvelles. Assure-toi qu'ils sont hors de ce royaume.
Regarde-toi, avec toute la gloire qui est tienne. Entre toi, les gardes et les servantes, qui a plus de dignité à présent, hein? Arrête! Arrête! Qu'est-ce que c'est? Maïla? Mère m'a ordonné de la traiter selon mon bon plaisir. Tu en as assez fait. Ok, lève-toi. Votre Majesté. Fais la sortie d'ici tout de suite. Simera, reviens ici. Reviens ici. Je vais enseigner à ta bouche comment arrêter de blablater. Viens. Mon ami, je ne savais pas que t'étais maintenant un chasseur. Je t'ai venu prendre un gibier et c'est fait. Les gens qui mangent la viande de la brousse sont les hommes de la brousse. Donc je suis maintenant un homme de brousse. Tu me fais toujours rire. Mais tu viens d'où comme ça avec un air si bizarre? Mon ami, tu ne peux pas imaginer ce qui m'arrive. Dis-moi. Prince, sans couronne, a été maltraité par le commandant de la princesse. La princesse de quel royaume? C'est quoi encore? Tu sais, j'ai oublié. Personne n'a le droit de maltraiter un homme sans défense comme toi. C'est juste pour l'amour. Je ne suis pas fâché. J'ai trouvé l'amour. Au fait, mon ami, tu as vraiment un esprit fort. Comme l'animal le plus violent dans cette... Je suis un animal. C'est juste un animal qui peut gérer ma femme. Maintenant, t'es un animal. Qu'est-ce que tu racontes? Je pensais partager ça avec toi. Mais non, je ne vais pas le faire. Mon ami, tu sais, le docteur avait dit que c'est bien pour ma santé, ça. Personne ne semble te gagner, toi. Tiens, tu peux les prendre. Merci beaucoup. Je vais t'inviter à mon mariage. Qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre? Reste calme et écoute. Mais est-ce que ce qu'il a à dire doit être dit dans ma chambre? Mère, c'est une abomination. Si tu avais compris ce que c'était l'abomination, tu n'aurais pas dû tuer le prince des Azois. Notre situation est devenue très sensible. Maintenant, parle. Ma reine, comme je ne peux pas avoir l'avantage d'être réglé avec une fortune, je ne peux demander qu'une compensation d'une valeur équivalente. Et je t'avais dit de les nommer. La princesse, comme ma concubine. Quoi? Hein? La folie a certainement germé dans ta tête. Le prix de mon silence ne peut jamais être moins cher. Encore une connerie de plus et je te ferai coudre cette bouche. Dis-moi, d'où et depuis quand tu as eu cette audace? Sans te faire des chantages, moi et la princesse sommes capables de faire mériter la mort. Toi, l'esclave sacré, comment oses-tu parler pendant que je parle? Vous pouvez me tuer, Sa Majesté. Je vais le dire moi-même au roi. Sache que ton insolence te fera payer cher. Maintenant, va-t'en. Va-t'en! Et qu'est-ce que tu fiches encore là? Esclave à vie. Ah, mais mère, qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais que tu avais dit que tu t'occuperais de la situation. Je le pensais bien. Mon Dieu, qu'allons-nous faire maintenant? À qui je veux dire ça? Ok, très bien, mais tu ne vas pas aller le dire à père. Je ne peux pas lui dire ça.
et je commence à perdre le contrôle. J'ai peur. Je suis navrée. Tu n'avais pas mérité le traitement que je t'ai infligé. T'inquiète, ma princesse. Je ne suis rien qu'un cochon pour toi. Car c'est le cochon qui mérite ce que j'ai obtenu. Je n'ai jamais su que viendrait un jour où moi, princesse royale du grand royaume de Kunasi, se serait rabaissée pour suppléer un simple intendant du palais. Tu es, à vrai dire, privilégiée, Bokeh. Les privilèges ne sont pas destinés aux simples gardiens comme moi, ma princesse. Ils ne sont pas faits pour moi. Pas pour moi. Les privilèges valent bien plus que les trésors pour t'aider à te bâtir une fortune et te tenir en tant qu'homme. Voici. Tu as sous les yeux l'un de mes bijoux les plus chers. Je crois que c'est une ample compensation pour mon indiscrétion. Cimera, s'il te plaît, viens! Viens, s'il te plaît, Cimera! Viens, s'il te plaît! Cimera, viens, je t'en prie! Je t'en supplie, s'il te plaît, écoute! Donne-moi juste un peu de temps, d'accord? Donne-moi juste un peu de temps, je promets que tu vas te faire sortir d'ici. Tu n'as plus à me donner une quelconque promesse comme tu es là. Bébé, écoute, tout ce que je le fais pour nous deux. C'est dans l'intérêt de notre avenir, s'il te plaît. N'étais-je pas interdit de venir tout près de mon mec? Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Si tu répètes ça encore, tu me verras. Bambi, parle-lui. Prêtez vos oreilles, écoutez. Ce palais sera inondé des dignités royales très importantes. Je veux que vous puissiez mettre de la propreté partout et que tous les palais soient bien propres. Est-ce clair? Oui, votre majesté. Bien, reprenez vos tâches. Eh bien, la propreté du palais aujourd'hui est très, très unique. Une bonne nouvelle pour le royaume de Kutasi, ma princesse. Des longues querelles marquant entre ces deux royaumes les plus puissants a été enterrée. Le roi Molumba du royaume de Toura viendra demain en mettre le sceau. Mère, tu sais que la politique régionale de ce royaume ne m'a jamais intéressée. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Oui, je sais. Mais devine quoi? Le royaume de Toura a un prince tellement beau qu'on n'a jamais vu avant. Mmh.
Et tu ne penses pas que ce serait plus intéressant pour Temulia? Temulia ne mettra pas ses yeux sur lui, ma princesse. Oh mère, j'ai entendu ce mensonge des milliers de fois. Oh oui, je sais, mais tu peux me faire confiance pour celui-ci. Je suis heureuse que tu aies usé de ta patience pour attendre celui qui te convient. Mère, je n'ai attendu pour absolument personne. C'est plutôt que je tiens à voir la bonne personne qui m'a attendue. J'aime ça. Ok. Parce que je suis la princesse de ce royaume. Je sais. Je n'ai personne à attendre. Ça, c'est ma princesse. Allez, bon, je vais retourner à mes affaires. Tu m'excuses? C'est comme ça que ça s'est passé. Oh, ouais, je vois. Très bien, je comprends. Maintenant, c'est trop clair, je peux voir. Il ne faut pas commencer à embêter le roi. Toi, un vaurien. Cherche-toi un travail à faire, occupe-toi comme les autres. Il était sur le point de me donner une information concernant les royaumes des oiseaux. Atako aime beaucoup colporter mon roi avec ses informations inutiles. Ma reine, c'est comme si tu connaissais déjà ce qu'il était sur le point de me dire. Je n'ai même pas donné mes oreilles pour entendre ces bêtises qu'il raconte, mon roi. Après tout, le problème du royaume des Azoa ne doit pas nous préoccuper autant. On doit focaliser notre attention maintenant sur la visite du prince du royaume de Tura. Bien sûr, je pense que tu es en train de tout bien préparer. Bien sûr que oui, je suis, crois-moi. Ma reine. Ok, laisse-moi aller m'occuper de la cuisine. Allons-y. Atakpo, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais dire réellement au roi quand vous étiez en haut? Je pensais que la reine avait déjà parlé au roi concernant le meurtre. Alors c'est devenu un sujet de tout le monde. Tu oses? Je veux juste ma récompense, c'est tout ce que je veux, ma reine. N'imbibe pas ma fille dans ta folie. La déflorer causera beaucoup de conséquences dans tout le royaume de Kutasi. Mon silence aura les effets pareils, ma reine. Vous m'avez maltraité à mourir. Tu peux avoir n'importe quelle servante de ton choix, que je peux te les commander comme tu le désires. Je veux la princesse Maïla. Tu peux m'avoir. Ma reine? Oui. Puisque tu es rémunérée au plaisir de tes pulsions sexuelles, alors je suis là, parce que je préfère même mourir que de te voir mettre ma fille en guerre avec ses ancêtres. Avec grand plaisir, Sa Majesté, comme vous le désirez. Tu oublies comment tes jours étaient fauchés là en haut, sans attention? Fou! Thank you.
J'espère que tu ne t'es pas imaginé que j'allais juste laisser passer comme ça l'insolence dont tu m'as fait montre la dernière fois, n'est-ce pas? Peu importe ce qui se passe maintenant, Maïla, à cause de toi, j'ai perdu l'amour de mon cœur. Quoi? Tu as le... Tu as cette audace de m'appeler par mon nom? Tu n'as pas un nom autre que celui donné à un chien public. Maintenant, laisse-moi te dire... Je ne veux plus jamais avoir aucune affaire avec toi. C'est fini entre nous. C'est fini. Tu es fini. Je vais tellement m'acharner sur toi que tu vas regretter le jour de ta naissance. Je conseillerais que ma princesse, ma chérie, fasse attention. Sinon, le roi et la reine aimeraient savoir comment est-ce que j'ai su qu'il est un moule dans sa zone secrète et privée. Excuse-moi. Je ne pouvais jamais imaginer que vous pouvez être aussi géniale, ma reine. Tu as eu ton prix. Et tout se termine ici. Le terme que j'avais utilisé était concubine. Et la sage voix de mon défunt père m'a fait comprendre que ce mot veut dire également cohabitation. Pour ça, tu seras fichu. Je supplie, ma chérie. Tu devrais échanger. Mais qu'est-ce qui sent comme ça ici? Le lit? Mais je pensais qu'une servante avait fait ce lit ce matin. Ou elle ne l'a pas fait. Oh mais si, je suis sûre. Je suis sûre qu'elle l'a fait. Mais pourquoi est-ce qu'il est aussi défait? Et cette odeur... Bonjour, ma princesse. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bien. Ah, Bariba, je viens de me rappeler. Tu vas probablement poser ta signature, donc je serai de retour. Je suis flattée, ma princesse. Merci. Je ferai de mon mieux pour vous impressionner. Il n'y a pas de problème. Simera, dis à ma mère que je suis sortie pour ma soirée d'aujourd'hui. D'accord. Ma princesse, vous n'êtes pas autorisée à sortir du palais. C'est l'ordre de la majesté. Pourquoi? Elle a dit que vous l'attendiez dans votre chambre jusqu'à ce qu'elle revienne. Je suis très désolée.
Quand est-ce que ces larmes cesseront de couler de mes yeux juste parce que mon cœur est tourmenté? Je suis désolée, mon prince. Je ne pourrai plus te voir aujourd'hui. Je suis désolée pour ne pas te voir aujourd'hui, mon prince. Il est venu seul. Je crois. Salut, mon roi, ma reine. Bienvenue, mon prince. Waouh, tu es venu seul? Mes parents, le roi et la reine sont indisposés. Mais ils ne voulaient pas que me voie et soit encore retardé. Je vous apporte leur salutation. Tout est bon. S'il te plaît, allons à l'intérieur. Merci. Le traitement qu'on vous inflige n'arrête pas de m'étonner. Comment est-ce que la beauté peut devenir une malédiction? C'est quoi la beauté, Simira? Et quelle est sa valeur pour un cœur qui a été torturé à propos? Humiliation, ma princesse. Je ne suis pas humiliée. C'est la place où il me faut. Peut-être que je pourrais retrouver ma joie dans la liberté avec vous, mes servantes. Arrêtez-la et fermez ce portail immédiatement. Arrêtez cette guémande. Laissez-moi partir. Je ne peux pas rester ici tout en vivant comme elle le prête. Tu ne vas nulle part. La tradition de Kutasi t'interdit de vivre en dehors de ce palais. Tu ne peux pas me stopper, papa. Je jure, je vais chercher un moyen pour sortir de cet endroit qu'on appelle palais. Oh bien, comme c'est devenu un pari, on verra qui a l'autorité dans ce palais. Bon, okay. Votre Majesté. Emmène-la dans le cachot. Là où elle restera jusqu'à ce qu'elle retrouve ses sens. Tout de suite. Oui, mon roi. Amène-la. Oui, mon roi. Tout de suite. Hey, arrêtez-la, arrêtez-la. Arrêtez-la. Garde. Amène-la. Et toi, apporte la valise. Garde. Tranquille. Mon Dieu. Attends, je vois s'il n'y a personne. Ce palais devient de plus en plus intéressant. Et toute une princesse rabaissée au rang d'une servante. Ma sœur, à quoi tu t'attendais? Le flirt bat son plein maintenant. Et même dans la royauté. Babi, tu sais, je ne crois pas toujours aux rumeurs sur le flirt de la princesse Temalia. C'est un incident vraiment imbécile. Et c'est trop choquant. Princesse, dis plutôt Temalia. Écoute, tu vois, ma sœur, je hais la princesse Maïla avec passion. Et je l'aime juste pour une seule chose, et c'est la façon dont elle se respecte et elle se tient elle-même. Et en ce que je sache, elle ne se laisse pas faire à n'importe quoi. Qui jamais. A dit ça? Ferme ta bouche. Qui a dit ça? Cette fille-là stupide, c'est la pire de tous. Pourquoi est-ce qu'elle se dispute et déteste sa sœur à chaque fois qu'elle lui pique ses petites amies? Oh, l'arrogance ou pas? Une princesse doit faire preuve d'une certaine grandeur. Et non pas sa sœur qui flirte avec tout le prince parce qu'il pense qu'elle est la plus belle. Qu'est-ce que tu veux encore dire? Ce n'est pas qu'elle pense qu'elle est belle. Le fait qu'elle est belle. Qui ça? De quel côté es-tu? Qu'elle vient pas nous attraper ici. Allez, pardon, laisse-moi. Allons-y. Ma princesse. Il ressemble à quoi? Il est très beau, ma princesse. Il est tellement magnifique.
Donc tu as même eu ce courage-là de fixer le visage du prince. Et tu n'as même pas peur de venir ici devant moi pour t'en vanter. Désolée ma princesse. Je ne savais pas que ça offenserait la princesse de savoir que le prince était très beau, ma princesse. Désolée. Mais bien sûr. N'importe quel prince serait beau aux yeux d'une servante. Dégage. Merci ma princesse. Il est beau. J'espère bien. Merci. Je te remercie d'avoir accepté ma proposition. Comme je te l'assure, ce sera très bénéfique pour nos royaumes. Réellement, j'ai hâte de profiter de cet avantage mutuel, Votre Majesté. Merci, merci. S'il te plaît, savoure ton plat. Princesse, es-tu à l'aise? Merci. Bienvenue, le prince de Touréa. Merci beaucoup, ma princesse. Waouh! Réellement, tu es très belle. Écoute, laisse-moi te dire. Tu es la femme la plus belle que j'ai jamais vue dans ma vie. Je n'ai jamais vu ma princesse avec un tel sourire. Oh merde. Et j'espère que ma princesse aimerait me faire promener pour me montrer les beaux endroits du royaume de Koutassi. Faut croiser les doigts pour ça. Merci beaucoup. Simera! Simera! Princesse, vous feriez mieux de ne pas aller loin. Je n'ai pas cette intention-là. Alors, rentrez. C'est donc officiel que ma princesse est devenue une prisonnière dans le palais de son père? Reste en dehors de ça. Pardonnez-moi, ma princesse. Je ne fais que mon travail. Oui, mère. Oui, oui et oui. Il est évident qu'il te plaît. Il me plaît. Je l'aime. Juste comme ça? Oui, juste comme ça. Mère, pour la toute première fois de ma vie, je sens qu'un homme est vraiment à moi. Oh, je suis tellement contente que tu sois aussi heureuse, ma princesse. T'a-t-il fait déjà sa demande? Il le fera.
Il reste une semaine entière juste pour moi. Oh, oh. Ça veut dire qu'il est tombé amoureux de toi. De toute évidence. Tu sais quoi? Tu dois faire un effort de bien te comporter tous ces jours. Évite tous les accidents qui peuvent changer ses intentions. Ne t'en fais pas. Oh, je suis contente. Tellement contente. Moi aussi, c'est tellement bien. C'est bien. Ma reine. Ça marche. Ce jeune homme est tellement brillant et très intelligent. Oui, je suis d'accord avec toi, ma reine. Il la traite bien. Mon roi, penses-tu vraiment que cet amour est vrai? Oui, il faut toujours un temps pour que l'amour grandisse. Mais ce qui est plus important maintenant, c'est la date limite que nous devons respecter. Je sais, nous y arriverons. Nous y arriverons, mon roi. Je suis très contente. Pourquoi tu me rejettes toujours? S'il te plaît, laisse-moi partir. Tu vas créer une guerre dans notre royaume. Il ne peut y avoir aucune autre grande guerre que celle que fait rage déjà dans mon cœur par la vertu de ton constant rejet. Je ne t'ai pas rejeté, mon prince. C'est vraiment comme un rêve et un tourment depuis que j'ai permis à ce que ces choses arrivent dans ma vie. Bien. Dis-moi que tu ne m'aimes pas et je te laisserai et je ne reviendrai plus. Dis-le. Dis-le. Princesse, tu as versé suffisamment de larmes pour toute une vie. Tu as raison. Je n'étais pas sûre que je pouvais faire couler les larmes. Voici les livres que tu m'as dit de t'apporter. Je n'ai pas vu le livre que je cherche ici. C'est tout ce que j'ai trouvé dans ton tiroir. C'est étrange. C'est le seul livre que je lis souvent avant tout ceci. Y a-t-il quelqu'un qui est entré dans ma chambre? Ok, je vais encore aller vérifier. Attends. Sais-tu quand le prince était parti? J'en ai aucune idée, ma princesse. Ok, va alors me chercher le livre. Hé, ma princesse, ma princesse. Ma princesse, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ma princesse, oh, mais qu'est-ce qui va passer à toi? S'il te plaît. Non, si tu m'abandonnes, je vais mourir. Viens. Arrête-le. Qu'est-ce ici? Ma princesse. Ma princesse, mon amour. Princesse, attends. Je suis désolé, je ne faisais que plaisanter. Oh, mais ne le sois pas. Tu étais en train de savourer cette humiliation, n'est-ce pas? Bien, je l'ai vu un peu amusant, je dois confesser, mais... Mais quoi? Tu sais quoi? Fiche-moi la paix. Princesse, Maïla attend.
Princesse, attends. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi? Tu vois ce bado là, il est encore venu embêter la princesse. Imagine, alors qu'il était en pleine balade avec le prince. Bizarre. T'es sérieuse? Je te jure. Ma princesse, qu'est-ce qu'il y a encore? Mère, je ne sais à quel point j'ai tellement honte de ce qui s'est passé dehors. T'es mauvais encore? Non. Heureusement. Alors, essuie tes larmes. Parle-moi. Maman, c'est cet imbécile. Il m'a attrapé en présence du prince pour me déclarer son amour. Non. Comment est-ce possible? Et bien entendu, tu sais que le prince trouvait ça amusant. Mais qu'est-ce que c'est dégradant, maman, moi? Calme-toi. Apaisons. Ok, juste calme-toi. Non, non, je ne peux pas. Je veux que ce fou, je veux finir avec cet imbécile. Ça, ce n'est même pas un problème. C'est à nous de bien gérer le prince Toura. Merci, à peine si je peux le fixer. T'inquiète, je vais m'en prendre à lui. Hein? Je dois finir avec cet imbécile. C'est bon, je ne l'aime plus. Comment peux-tu expliquer que la princesse et les convives princes sont sortis sans escorte? Attaquons le garde de la princesse, votre majesté. Cet imbécile qui tourne autour de ce royaume, qui est-il? Je ne sais pas là où il habite et personne ne sait d'où il vient, votre majesté. Peu importe d'où il vient, trouve-le et amène-le jusque chez moi. Votre majesté, je le ferai. Votre Majesté, la princesse est très embarrassée par l'incident. Au contraire, Votre Majesté, moi j'ai trouvé toute la situation un peu amusante. Ouais, vraiment ça c'est rien, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de doute, mon prince, je n'ai pas de doute. Est-elle sortie pour une promenade? Maïla aime prendre beaucoup d'air frais, surtout quand elle est d'une humeur tendue. Je comprends bien. C'est ça. Que fais-tu ici? Es-tu fou? Allez, arrête avec ça! Arrête! Toi, va dehors. Prends place, ma princesse. Mère? Mais tu es ignoble! Je sais. C'est toi plutôt qui serais ignoble dans ces cas si je n'avais pas accepté de porter cette croix. Une croix? Non, mère. De toute évidence, tu te délectes dans la bassesse. Tu n'aurais pas pu t'empêcher de céder à ces chantages. Oh, ferme-la! Tu as intérêt de te marier vierge, sinon tu seras sacrifiée aux dieux. Et qu'est-ce que je devais faire? Laisser un intendant ordinaire te déflorer? Attends. Quoi? Quel sacrifice? Va demander ça à ton père. Au moins tu sauras comment te comporter toi-même si tu ne veux pas que ta vie finisse mal. Sacré... Oui, la vérité est que... D'accord, pourquoi ne pas t'asseoir? Je suis à l'écoute. Oh. C'est sérieux?
Où est ta mère? Voici le moment approprié pour aller au lit. Votre Majesté, je vous excuse. Nous reviendrons sur cette discussion. Bonne nuit, mon prince. Bonne nuit, ma princesse. Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse que ces deux derniers jours. Donc, ne gâche pas cette humeur, Maïla. Ta mère t'a dit ça? Désolé, ma princesse. Les dieux interdisent que cela soit révélé à la princesse. La même raison pour laquelle ça a été initialement gardé secret à ta mère. Tu n'as aucun problème avec ça. As-tu? Ta virginité reste intacte, n'est-ce pas? Maïla, bien, alors tu peux rendre les dieux heureux. En respectant le délai. Je pense que tu as une opportunité parfaite avec le prince Otama. Désolée, j'ai pas pu retrouver le livre dont tu avais besoin. Jamais de m'étonner, ma princesse. Tu décortiques ces amantes, mais tellement bien. Et je n'aurais jamais pensé que... La princesse était un humain comme tous les autres Siméra. Eh bien, c'est un tabou qu'une princesse du royaume de Kutasi s'engage dans des tâches ménagères. La reine ne voudrait pas en entendre parler. Tamara avait l'habitude de se faufiler pour des tâches ménagères dans ma chambre. Ce sont des choses qui me rendent heureuse ici. Tamara... que tu viens de la mentionner. J'avais l'intention de demander. Sa disparition soudaine avec Goasso nous a laissé dans le mystère complet. Il n'y a que la reine qui est censée de parler à propos. Mais je peux te rassurer que tous les deux vont rester où ils sont. Eh bien, vu que ça vient de toi, alors là, mon esprit est tranquille. Garde! Garde! Ma princesse, ma princesse. Ferme-la. Ma princesse. Qui a laissé cette chose entrer dans ma pensée? Réponds-moi! Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi! C'est cet imbécile! Il est dans ma chambre! Sur mon lit! Comment est-ce qu'il est entré ici? Venez avec moi, allons le chercher! Venez, suivez-moi! Calme-toi! Non, je ne peux pas! Calme-toi! Il y a cette chose! Calme-toi! Il a infecté ma chambre! Un souillé! Ça va, calme-toi! Ça va! Non. Ok, ça va aller! Viens, ça va aller, d'accord? Ça va! Personne
Personne. Partons. C'est moi plutôt qui ai été embarrassé. Ah, ouais. Comment pouvais-tu imaginer que j'allais considérer cela comme un handicap ou une compétition pour moi? Honnêtement, je ne me suis jamais aussi sentie confuse de toute ma vie. t'as rien entendu? Seulement le son hurlant de ta voix? Non. Attends. Alors, qui habite ici? Personne. Je ne sais même pas pourquoi cette chambre est restée ouverte. Hey, apporte-moi le trousseau de clés qui se trouve chez ma mère. Oui, ma princesse. Es-tu sûre que tout va bien? Ah, tout va très bien. Je crois que quelqu'un a laissé la porte ouverte. Merci. Ah. Ça va maintenant? Ouais, allons-y.
apprécié ça beaucoup, traîner. Je me demande qu'est-ce qui la retient. Bonsoir, Marie. Oh! C'est comme ça que tu faufiles pour entrer jusqu'ici? Non, pas du tout, ma reine. Où est la princesse Temulia? Donc, elle t'a envoyée pour espionner, n'est-ce pas? Non, je suis venue prendre pour elle le livre. C'est la vérité, ma reine. Que le Dieu t'aide. C'est une servante. Arrive jusqu'ici sans mon consentement. Ou celui de la princesse Maïla. Elle disparaît immédiatement. Merci, ma reine. N'importe quoi. Apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Oh non, pas ça encore. C'est quoi? Laisse-moi tranquille. Je vais te parler, non? C'est quoi? Tu vois à quel point tu es stupide. Tu abandonnes une fille classe et fraîche comme moi, en préférence de cette pute, laide et villageoise de Samira. Ah, bien sûr, tes bavardages ne m'intéressent pas. Tu as de l'intérêt, oh. Tu dois être intéressé. Parce que je les ai attrapées en romance. Elle était en train d'embrasser et fumer. En public. Quoi? Oui. Tu es une menteuse. Tu mens. Tu mens. Je ne suis pas une menteuse. Je l'ai attrapée. Je suis sérieuse. Je vais voir ma princesse. Elle est où? Hein? Je vais dire à ma princesse. Tu diras à qui? Je vais viens la par voir. Ici. Viens, viens. Par ici. Bouge. Mets-toi. Mets-le par terre. Mets-toi. Par terre. Idiot. Viens encore. Oh, laissez-moi. Je l'ai trouvé, votre majesté. Mettez-moi cet imbécile dans un cachot, là où il n'aura plus la liberté d'embarrasser la princesse. Ah, ma reine. Allez, lève-toi. Lève-toi. Ma reine. Lève-toi. Il m'amène. Oui. Il m'amène, ma reine. Tu ne fais que te déambuler dans le palais toute la journée.
J'espère que tu ne cherches pas d'excuses pour m'éviter cette nuit. D'éviter cette nuit? C'est quelle affaire que je peux avoir avec toi cette nuit? Je l'avais dit. Je l'avais dit. Dis quoi? Pour ton information, je ne peux pas me rabaisser à un niveau très bas d'un fou comme toi. Tu m'avais promis. Et ce n'est pas juste de changer d'avis maintenant. Tu sauras bientôt ce qui est juste. Lorsque tu seras incapable de donner une explication raisonnable pour la princesse qui est dehors, c'est ce qui est juste. La princesse? Où est-elle? Où est-elle? Tu me demandes? Il n'y a pas de courtoisie ce matin pour ta mère? Les courtoisies nous sont consacrées, car ceux qui les méritent. Je vois. J'allais te dire que ça, ce n'est pas conforme pour une princesse de faire tout ça. N'as-tu pas de servante? Et je doute que tu juges encore de la crédibilité morale pour me sermonner sur ce qui est conforme. Je reste ta mère, Maïla. Et tu n'as pas remarqué que ma bouche est devenue trop lourde pour t'appeler de la sorte? Vraiment? Excuse-moi. Bonjour, mon prince. Bonjour. Et voilà. Merci. Tu as dû te réveiller vraiment très tôt. Ouais, tu as parfaitement raison. Au fait, tu ne peux pas croire à quel point ce livre est captivant. Et j'ai passé toute la nuit à le lire. Et j'ai hâte d'aller le déposer ce matin là où je l'ai pris. Alors, je suis d'un tel ennui à tes yeux qu'il t'a fallu la compagnie d'un livre. Non, non. J'ai trouvé ce livre sur le sol en haut. Je l'avais sur le sol, sur le passage en haut. Sur le passage à l'étage? Ouais. Et ça fait une très bonne lecture. En tout cas, pourquoi c'est toi qui me sers? Où sont tes servantes? Ah, oublie les servantes. J'ai choisi de te servir moi-même. À part être une princesse, je suis aussi une femme. Il y a de ces avantages que les femmes du petit peuple possèdent pour communier avec leur mari de façon appropriée que nous, les royautés, n'avons pas. Marie, le son là me plaît. Et pour être honnête avec toi, princesse, ce sera un honneur pour moi de t'avoir comme ma femme. Est-ce que tu viens de me faire ta demande? Pourquoi ne pas sortir ensemble? Pour un shopping? Ok.
oui. Oui? Oui, pourquoi pas. Alors, donne-moi une minute. J'y reviens. Très bien. Ok. Ok. Bariba. Oui, ma reine. Où est-ce que la princesse sont partis? Elle ne m'a rien dit, ma reine. Tu peux partir. On doit aller le dire à la reine pendant qu'il est encore temps. Je ne veux pas de troubles. Et dire quoi à la reine? Que la princesse et les gardes sont en détention ou quoi? Nous ne sommes que des servantes. On n'est pas en mesure de contrôler les mouvements de la princesse et du prince. On va juste dire qu'ils sont sortis par ordre du roi. Ce n'est pas normal. Je ne me sens pas confortable avec ça. J'ai l'impression comme si ça ne va pas. Nous savons tous que la princesse souffre de la gastrite. Et c'est très chronique. Regarde, s'il te plaît. Ne va pas me mettre dans des troubles dont je ne sais absolument rien du tout. S'il te plaît, ne me mets pas à tes ennuis. Oh. Je te préviens, tiens-toi à l'écart de ça. Moi en plus, je ne veux pas de problème. Chérie, es-tu allé voir comment Timou les supporte avec les bonnes? Je crois qu'elle va bien. N'est-ce pas qu'elle a beaucoup de servantes à sa disposition? Je crois qu'elle va bien. Quand même, tu devrais aller la voir. Mon roi, tu t'inquiètes beaucoup à propos de Temelia. On dirait qu'elle était en dehors de ses palais. Pourquoi pas la laisser dormir même comme une chienne, pendant que la princesse profite encore de la présence du prince. Oh, oh,
Peut-être tu as raison. Chut. Qui est en haut? Personne. Pourquoi? Je pensais avoir entendu un bruit en haut tout à l'heure. Vous vous trompez, mon roi. Pourquoi ne vas-tu pas vérifier? Ok, mon roi. Ces cris ne sont pas graves que ça. Les servantes vont prendre bien soin d'elles. Je n'ai pas vu Myla et le prince aujourd'hui. Ils sont sortis. Pour aller où? Je ne sais pas. C'est surprenant. Devine quoi, père? Le prince t'a-t-il fait une demande en mariage? Eh oui. Wow. Félicitations. Ce n'est pas nécessaire. Attends un instant. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? J'ai remarqué comment tu boudes ta mère depuis la nuit dernière. Quel est le problème? Père, je ne pense pas qu'elle ait une quelconque plainte. Ma reine. Je n'ai rien à me plaindre dans ce sens, mon roi. Ok. C'est bien. Félicitations. Merci. Et moi, je lui ai répondu. Toi, tu m'avais vu. Oh. Oh. Ah, Anna. Fais attention à comment tu mets la main dans la soupe. Laisse-moi te dire, hein. Tu te rends malade pour rien du tout. Faut te tuer même. Je te jure, l'attitude de cette fille va nous causer des troubles ici. Où est-ce qu'elle est partie même? Elle va même se mettre dans les troubles. Tu me rends un grand service en demandant la main de ma fille en mariage. Levons notre verre. Merci. Je m'excuse, Votre Majesté. Et que signifie cette impolitesse? Votre Majesté, je ne peux plus me taire. Garde ce que tu as à dire pour toi-même et dégage d'ici.
voulait pas entrer dans la chambre. Et comment? L'attacher avec une liane? C'est tout ce que tu as à dire. Espérons que ça ne tournera pas contre toi. Parce que moi et ton père, nous avons fait de notre mieux. Maman de grâce, ne me sors pas ça. Oh, bien, heureusement. Finalement, tu t'es rappelé que je suis toujours ta mère. Oh! Elle est faible. Très faible. Mais elle va s'en sortir. Merci, mon prince. Merci. Cet air frais, c'est comme une douce mélodie qui glisse sur la peau. Tu ne trouves pas? Il le faut. Mon petit doigt me dit que ton esprit est totalement noyé dans les pensées. Excuse-moi, je dois aller vérifier la fille en haut pour voir comment elle se porte. Non, le docteur de la famille en prend soin, crois-moi. Elle n'a pas besoin d'un autre docteur, crois-moi. Mon prince, je t'interdis de la revoir. Pourquoi ta voix tremble-t-elle? Pour rien. Rien. Désolée, ma princesse. La reine veut vous voir. Elle a dit qu'elle vous attend dans votre chambre. Excuse-moi. Je reviens. Ça va. Princesse. Tu vas bien maintenant. Sois loin de moi. Temulia. Temulia. Je t'avais interdit. Que veut dire toutes ces histoires? Pour la cause de Dieu, de quoi s'agit-il? Reste loin d'elle, est-ce trop demandé pour ta fiancée? Fiancée? Je ne suis pas sûr que ce titre s'applique toujours, moi et là. Hein? Quoi? Où est-elle? Où est donc cette sorcière démoniaque qui se fait passer pour ma sœur? Où est-elle? Oh, je vois.
Donc vous tous, vous avez comploté pour me saboter, n'est-ce pas? Non, ma princesse. C'est à moi que tu viens d'ouvrir ta bouche? Hein? Désolée. Mais tu continues? Qui d'autre voudrait dire quelque chose? Toi aussi, tu as autre chose à dire? Toi, tu es morte. Je vais te punir pour cette insolence et cet irrespect. Viens ici! Viens et allonge-toi ici! Allonge-toi! Ça suffit! Ça suffit, Maïla! Je dis, ça suffit! Alors tu as finalement trouvé la force de sortir pour regarder ta consoeur souffrir, hein? Je te préviens. Si prochainement tu le refais, tu vas voir ce qui va t'arriver. Oh! Elle s'est aussi achetée de l'audace. Regarde-moi. Qu'est-ce que... Pourquoi tu te prends, toi? Pourquoi tu te prends? Oui. Attends, tu vas aujourd'hui. Je te fais du mal. Attends, attends. Ma princesse, ma princesse, s'il vous plaît. Pourquoi tu te prends? Ma princesse, ma princesse. Pourquoi tu te prends, toi? Je te prends, toi. Je te prends, toi. Ma princesse. Maintenant tu as le courage de ne pas casser. Mon prince, permets-moi de te remercier officiellement d'avoir sauvé la vie de la bonne. Servante? Pourquoi l'appelez-vous comme ça, votre majesté? Comment veux-tu que je l'appelle? Votre majesté, je vous donne beaucoup de respect. Mais tout est sur le point d'être brisé maintenant. Et ce dont mes yeux et mes oreilles viennent d'être témoins, il m'est difficile de comprendre. Peut-être le moment n'est pas propice aux énigmes. Ma sensibilité se sent insultée. Que le roi de Koutassi penserait que je ne suis pas au courant qu'il a une autre fille. Et c'est même plus scandaleux que vous ayez condamné l'une de vos princesses à une vie si dégradante d'une simple servante. D'accord, tu m'as compris. Mais peu importe ce que ma fille traverse maintenant, elle le mérite bien. Et je ne suis pas obligé de t'expliquer quoi que ce soit. Non. Vous ne l'êtes pas. Nous avons une entente. Faisons ça quand même. Désolé, votre majesté. Je ne suis plus intéressé en cet arrangement. Non. Non, tu ne peux pas me tourner le dos maintenant. Non. Très bien. Je retourne à Teria immédiatement. Pour revenir bientôt avec vos trésors désirés. Mon prince, s'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. Je t'aime de tout mon cœur. L'amour, il est impossible pour un cœur d'aimer et de haïr vicieusement à la fois. Je t'ai vu.
et j'ai vu le plus profond de ton cœur. Et je te connais. Je vous promets de changer. D'ailleurs, je me suis déjà améliorée. Mon prince, s'il te plaît. Ma vie est maintenant entre tes mains, s'il te plaît. Mon prince, s'il te plaît. S'il te plaît, toi et ton herbe là. Qui a-t-il? Je vois des herbes dans tes mains ces jours. Quelle étrange maladie traites-tu? Je ne traite aucune maladie étrange. Ça, je l'ai pris auprès d'un guérisseur. Pour mon oncle âgé. Oh, alors pourquoi tu fermes ta chambre et tu ne permets à personne d'entrer? Ma chambre, je... Il y a quoi? Réponds à ma question. Réponds. Il y a quoi? Ça te concerne? Oh oui, ça me concerne. S'il te plaît, j'aimerais te voir maintenant. Ah, tu disais? J'ai dit que je veux te voir maintenant. Ok. C'est quoi? Je vois. Donc toi aussi. Il y a quoi? Toutes les servantes à ton service. Je ne sais de quoi tu parles, donc méfie-toi. Ok. Hé! Mon amour, je suis content que tu me parles maintenant. Ne sois pas content, parce que je n'ai rien à faire avec toi. Et aussi même pas dans tes imaginations. Simir, s'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît. Tais-toi et écoute-moi. Ah, s'il te plaît. Je veux que tu fasses sortir la princesse Temoula maintenant de cette parcelle et de ce royaume. Quoi? Veux-tu que j'aille dire au roi ton affaire avec la princesse Maïla? Simera, s'il te plaît, je t'en prie. N'allume pas le feu qui est capable de nous consommer, nous deux, s'il te plaît. En tout cas, je m'en fous de ce qui va se passer dans ce royaume pour le moment. La princesse Temoula a beaucoup souffert dans ses palais juste à cause de sa sœur aînée. Je suis prête à tout faire pour mettre fin à cette situation. D'accord, si je le fais, vas-tu me prouver que mon sacrifice mérite ton retour à moi? Je veux que tu reviennes, bébé. Je veux que tu reviennes. Okay. Je veux que tu reviennes. Ok. S'il te plaît. Tu vas le faire pour te prouver toi-même que tu es un vrai homme. Ne fût-ce que pour une fois dans la vie, fais quelque chose. S'il te plaît. Qu'est-ce que nous allons faire? On va juste s'asseoir et croiser les bras, voir la relation de Maïla être fauchée. Pour l'amour de Dieu.
J'ai réfléchi à cette question, madame. Tous ces anciens prétendants sont tous mariés, à l'exception du prince de Zazoua. Suis-je maintenant censé lui chercher un mari ordinaire? Avant, on a un choix. On n'a pas de choix. Elle peut épouser n'importe qui. Ah non, mère. La princesse du royaume de Kutasi ne se mariera pas juste avec n'importe qui. Qu'est-ce qu'il y a avec cette valise? Je vais retrouver le prince Utama. Je ne renoncerai à lui pour rien du tout. Non, ma princesse, non. Ça, c'est le désespoir indigne d'une princesse royale de Kutasi. Oui. Et une princesse n'est pas censée passer une nuit dehors sans être accompagnée. Exactement. Père, en ce temps désespéré, il faut des mesures désespérées. C'est le prince Utama que je veux ou autant être sacrifié au dieu. Non. Myla. 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 Reviens ici, Myla. Peu importe ce que tu as mis ici, je ne crois pas que c'est pour emmener quelqu'un à la mort. Mais je pensais que nous avons mis le sentiment hors de ceci. De quoi parles-tu? On doit faire attention, on ne peut pas causer la mort de quelqu'un, s'il te plaît, ok? C'est donc la nourriture de ces vauriens que tu acceptes et comment je vais te servir, tu refuses, hein, Bok? Ah, bien sûr, je ne suis pas de bonne humeur maintenant. Quitte ici. Ça ne me surprend pas. Quand toi, avec cette misérable chaîne qui n'abandonne pas, tu ne te lasses pas, hein, Smera? Si tu ne dégages pas de ma vue, je veux te faire du mal maintenant. Quelle audace, Smera! Imbécile! Je suis pas ton ami! Qu'est-ce que tu crois? Smera! Tu veux m'importuner? Laisse-moi! Je veux pas de problème! Smera! Je veux te tuer! Je veux te tuer! Attends! Je veux te tuer! Je te montre de quoi tu es capable! Je suis pas ton ami! Smera! Entendu? Qu'est-ce que tu prends ton ami, moi? Tu crois que tu veux me battre? Imbécile! Tu crois que tu veux me battre? Attends! Fais gaffe! Simon, mon prince. Salut, votre majesté. Salut. Je suis certain que vous avez vérifié et confirmé le contenu du coffre du trésor que j'ai envoyé en avant. Tu sais que le trésor ne compte rien pour moi. S'il te plaît, reconsidère tes positions sur cette question, mon prince. Je te supplie, mon prince, aide-nous. La vie de ma fille maintenant est entre tes mains. Elle n'a plus que quelques semaines. Bien. En vérité, votre majesté, Myla n'a jamais été la raison de ma venue dans le royaume de Kutasi. La trêve que j'ai négociée entre vous et mon père devait ouvrir la voie à la demande que je m'apprête à faire maintenant. C'est de votre petite princesse que je suis amoureux. Comment oses-tu me jouer ainsi, sale tour? À moi et à mon royaume. Avant que vous ne libériez votre colère, votre majesté, je vous supplierai de m'écouter. Tu n'as rien d'autre à me dire. Oh,
Vous avez tort, votre majesté. Vous avez tort. Vous voyez, je connais un petit secret caché dans les nuages noirs qui couvrent présentement votre royaume. Je sais que le corps en décomposition du prince de Zazo a été récemment découvert. Et j'ai un témoin qui peut témoigner que le prince de Zazo a été tué ici, dans le royaume de Koutas. Tu dois perdre la tête. Je dis tu dois perdre la tête pour parler d'un blasphème aussi calomnieux devant moi. Tu oses afficher ton visage pathétique et laid dans mon royaume pour tenter un chantage sur moi? Garde! Arrêtez ce bâtard tout de suite! Arrêtez-le! Amène-le! Mais c'est vrai, père! Le prince de Zazo a été assassiné par la lunatique de Fi. Ce n'était pas intentionnel, mais tu m'as caché malicieusement cette carte abominable. Mon roi, je ne mérite pas votre miséricorde. J'accepte toute la responsabilité de mon indiscrétion, mais j'ai pensé que c'était mieux de vous mettre en dehors de ça. Non! Non, appelez, cela une indiscrétion est pire que le sujet dont nous parlons ici. Vous n'avez aucune idée de ce que cette décision irrationnelle est sur le point de coûter à ce royaume. Vous n'avez aucune idée. Hein? Où se trouve la maîtresse sanguinaire? Amène-la ici tout de suite. Amène-la ici tout de suite. Atakpo. Tu réalises que je t'ai fait une faveur à l'intérieur, n'est-ce pas? Encadrer votre petite sœur avec le meurtre du prince des Azois était méchant. Un acte imputable que je n'ai jamais vu. Mais regardez qui se voit pousser les ailes de la morale. Maintenant, tu vas m'écouter. Je te conseille que tu coopères avec nous sur ce coup. Ou sinon... Sinon quoi? J'aurais pu te dévoiler avec ce meurtre, tu sais. Oui, ça aurait pu faciliter les choses pour moi. Te renier, sans parler des coucheries dégueulasses que tu pratiques avec ma mère, tu ne penses pas? Princesse, vous pensez sérieusement que vous allez vous en sortir? Peut-être pas, mais maintenant je suis désespérée. Et le temps peut très vite se retourner contre toi, alors sers-toi de ta tête! Idiot! Où est-elle? Où est-elle? Papa, je vais apprécier si tu me laisses vivre tranquille. Vas-tu la fermer? Tu la fermes! Espèce de bête mécréante! Oh, je maudis ce jour où ton premier cri a retenti dans l'air de ce royaume. Tu es la pire malédiction qui puisse s'abattre sur une famille. Vas-y, papa. Baptise-moi comme tu le veux. Je veux toujours le dire. Mais mon cœur ne saignera pas pour un crime que je n'ai pas commis. Le crime que tu n'as pas commis, vraiment.
après avoir élevé tes sacrilèges au rang d'horrible meurtre d'un prince héritier de notre royaume. Tu te tiens ici pour me parler de crimes que tu n'as pas commis. Quel meurtre? Maintenant, vas-y et dénigre-toi davantage avec un déni éhonté. Ton maître secret du prince Echo a enfin été révélé. Maman. Maïla. Atapo. Pourquoi m'accusez-vous d'un tel mensonge? Comment oses-tu afficher un visage audacieux de mensonge devant moi? Mon roi, s'il vous plaît, mon roi. Pardon, après une telle atrocité. Mon roi, s'il vous plaît. Pardon, je vous en supplie. Sa Majesté, pardon. Pardon, je vous en supplie. Je te maudis. Au nom de tous ceux qui m'ont fait roi et ton père. Maintenant, sors d'ici. S'il vous plaît, mon roi. Vas-y, papa. Tue-moi. Je préfère mourir plutôt que de vivre avec de tels mensonges à mon encontre. Maintenant, ils vont mourir. Ah, ils vont mourir. Non, s'il vous plaît, mon roi, s'il vous plaît. S'il te plaît, je ne l'avais pas tué. C'est ma soeur qui l'avait tué. S'il te plaît, crois-moi. Ça devient compliqué maintenant. Les chances sont contre toi. C'est toi? Tu ne me crois pas? Je ne suis pas contre toi, ma chérie. Ton cœur que je vois n'est pas capable de faire un tel mal. Tu mourras de la mort d'une meurtrière. C'est toi qui l'as commis, n'est-ce pas, petite sœur? Toutes les peines, toutes les humiliations, toutes ces nuits en sanglots que tu m'as causées, toutes réunies ne sont rien comparées à la peine que je ressens en ce moment pour m'avoir volé le seul homme que j'ai aimé. Je ne t'ai pas fait quelque chose de la sorte. Je ne l'ai jamais fait. Même pas le prince Outama. Je ne l'ai jamais fait à ton égard. Si ce n'était un arrangement entre mon père et ton père, il n'y aurait jamais été nous. Vraiment? Oh, eh bien, il y a nous à présent. Et je dois t'avoir. Vous deux pouvez parier sur ça. Arrête de pleurer. Je ne peux pas prendre le risque de perdre mes deux filles en même temps. Et si j'accepte de bénir ta relation avec princesse Temulia, cela aidera-t-il à convaincre le prince de Touria de garder ce qu'il pense savoir sur la mort du prince de Zazua comme secret? Une guerre entre les royaumes de Zazua et Koutassi ne sont pas dans mon meilleur intérêt. Et elle ne donnera non plus à ma princesse et moi la paix du cœur, votre majesté. Je suis heureux que nous puissions tous les deux faire disparaître un de mes traumatismes. Pas aussi vite, père. Maïla. Moi, j'ai un meilleur plan. S'il te plaît, laisse ça comme ça, ma princesse. Garde silence, toi, la traînée. Maïla. Je ne serai pas offerte comme sacrifice aux dieux. Et j'insiste que mon prince demeure fidèle à notre première idée de mariage. Ouh, sa dulcinée devra être exposée pour la meurtrière. Calais. Ne tente pas ta chance, Maïla. Provoque-moi. Je n'ai pas de raison de vivre de toutes les façons. La sentence réservée pour un meurtre dans le royaume de Koutassi, c'est la mort. Tu te rappelles, père? Je ne peux pas épouser Maïla. Le royaume de Zazua va me demander ma tête si tu ne le fais pas, mon prince. S'il te plaît.
Tu n'as pas tué le prince. Cette vérité mensongère, je ne sais comment le dire. Non. S'il te plaît, mon prince. Toutes ces choses sont montées par ma soeur bien-aimée. En complicité avec ma mère. Mais tu as Tamara. Tu as toujours Tamara. Tamara n'avait pas vu le prince. Et tu envoies une voie de sortie. Et tu envoies un moyen de sortie, ma chérie. Sois courageuse. Qu'est-ce qu'il y a? Sa Majesté, elle a tenté de se suicider. Le suicide? Suicide? Pourquoi? Mon ami de longue date. Tu n'es pas mon ami de longue date. Et je parie que tu sais pourquoi je suis là. Sur mon honneur, je ne savais pas que cela était arrivé. S'il te plaît, pardonne. Tu n'as pas d'honneur au roi Mufasa. Tes excuses ramèneront-elles le prince des oiseaux en vie? Oh non, dis-moi. Je demande le sang pour le sang. Sinon, nos royaumes ne connaîtront plus la paix. Roi Kuyama. Je crois que mon père vous a parlé au sujet de cette question. Et c'est pour mon respect pour les paroles du roi que je suis si patient. Je veux me contenter d'un compromis raisonnable. Emmène mon fils. Voilà mon fils aîné. Il s'éclipse du reste du monde à cause de sa condition. Quiconque a tué le prince des Azois doit l'épouser comme compensation. Oh non! Oh, Temulia! Temulia, ma fille, je te prie, pardonne-moi. Pardonne-moi, ma fille, s'il te plaît. Je vais faire une confession, mon roi. Mère! Oh, ferme-la! C'est toi la diablesse qui a causé tous ces problèmes dans ce royaume. C'est moi, il a qui est meurtrière. Et moi, je m'étais fait accompagner dans ces sales complots avec l'intendant à ta peau, en jouant avec ces chantages. Arrêtez-le! Que personne ne s'approche de moi, elle est morte! Non, 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 Maëlle, s'il te plaît! Arrête, Maëlle, arrête! S'il te plaît, Maëlla. Non! Sur mon cadavre, je ne serai ni offerte au Dieu, ni mariée à cet imbécile. Non! Votre Majesté, le prince est en vie. Vous
Votre Majesté, le prince est réopère dans ma chambre. Il vient à peine de sortir du coma la nuit dernière. Vous pouvez me suivre pour le voir. Dépose le couteau, Maïla. À partir d'aujourd'hui, je prends un décret abolissant toute tradition qui est rétrograde par rapport à notre bonheur collectif. Même après ma mort, je ne permettrai pas que tu sois sacrifié aux dieux. Mais qu'il soit bien clair pour toi que le cœur du prince ne t'a jamais appartenu, ma chère. Le cœur du prince sera à moi, et que cet intrus n'existera plus. S'il te plaît, Maïla, s'il te plaît. Ne t'approche pas de Laisse moi. Laisse tomber le père, s'il te plaît, je t'en prie. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Ouais. Prouve-le. Prouve jusqu'où tu peux consentir des sacrifices pour sauver sa vie. Quoi que tu veux, quoi que tu désires, dis-le, je vais le faire, s'il te plaît. Je veux que tu te maries à moi, ici et maintenant, devant la couronne. Oui. Alors que va-t-il se passer, mon prince? Et tu as jusqu'à 3 pour le faire. Hein? Non, non. 2? Non, non. Attends. Laisse-la tranquille. Toi, la princesse de la honte, la princesse de la disgrâce. Votre Majesté. Une précision, Maïla. Tu n'es pas digne d'être choisie comme la femme du prince parce que tu n'es pas vierge. Tu ne peux même pas être la femme d'un simple paysan comme moi. Hey. Menteur! Il ment! Ne l'écoutez pas! Il n'est qu'un sale lunatique! Comment oses-tu? Comment alors saurais-je que tu as une grande tache noire dans ta jambe gauche, tout près de tes parties intimes? Jeez! Oh mon Dieu! Ah! Donc j'ai sacrifié mon corps pour rien? Oh! Mon roi, s'il vous plaît, pardonne-moi, mon roi, pardon. Éloigne-toi, mais souillée de moi. Moi, mon roi, aie pitié. Quant à toi, pitié. Tu vas payer cher pour le sacrilège que tu l'as fait subir. Garde, arrête-le et jette-le dans la cellule. Arrête-le. Arrête-le. Jette-le dans la cellule. C'est ce qu'il mérite. Pardonne-moi, mon roi.